Coucou tout le monde, welcome, bienvenue, j'espère que vous allez super bien. Faites comme chez vous, mais n'oubliez pas que vous êtes chez moi. Et n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à liker pour que la vidéo puisse circuler, pour que notre communauté puisse s'agrandir. Merci de votre présence, de votre soutien. J'espère que vous avez passé une superbe journée. Nous allons regarder aujourd'hui que ce que les cartes veulent bien nous dire. Y a-t-il un retour possible? Nous avons ici la maman et nous avons ici le papa. Donc ici, nous avons toi, la consultante, ou toi, le consultant. Comme ça, ça peut parler au plus grand nombre. Toi, y a-t-il un retour possible? Qu'est-ce qu'il en pense? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est possible ou pas? Comme ça, tout le monde pourra s'identifier. Ça peut être toi, la consultante, qui pense à une autre femme. Ça peut être toi, l'homme, avec un autre homme, ainsi de suite. Mais nous avons, avec tout ça, nous avons trois possibilités pour que ça puisse résonner encore avec le plus grand nombre. Vous avez le dé, vous avez la balance et vous avez le cœur. Vous faites votre choix et nous allons regarder s'il y a un retour possible entre vous deux. Est-ce qu'il y pense? Est-ce qu'elle y pense? Vous voyez? Et on va voir où tout ça va nous mener. Donc, pendant que vous faites votre choix, hein, parmi ces trois, nous allons mettre les cartes. Donc, au total, ça va nous faire six groupes, six tas, six possibilités. Bien. Donc, vous, 1, 2, 3, vous, 1, 2, 3, et ainsi de suite. J'espère que vous avez compris ce que je vais dire. Donc, vous choisissez le dé. 1, 2, 3, et vous, 1, 2, 3. Vous voyez? Là pour vous deux, là pour vous deux, là pour vous deux. Comme ça, tout le monde peut s'y retrouver. Le consultant, la consultante, vous mettez ça à votre sauce, comme ça vous arrange. Bien. Pendant ce temps, faites votre choix. Nous avons une carte qui est tombée. On va la garder. Y a-t-il un retour possible? Oh! Y a-t-il un retour possible? Décidément. Peut-être ça ne veut pas. Hein? Allez, cliquez s'il vous plaît. Merci beaucoup. Nous allons prendre trois possibilités. Y a-t-il un retour possible? Est-ce qu'il y pense? Est-ce qu'il pense vous appeler? Est-ce qu'il pense vous faire des excuses? Est-ce qu'il va revenir ou pas du tout? Alors, est-ce qu'il a refait sa vie ou pas? On va voir tout ça. On va voir. Nous allons faire l'enquête. Nous allons fouiner dans sa tête. Bon, pas dans sa tête, les énergies, si ça veut bien nous parler de lui. Bien, nous avons trois. Vous qui avez choisi deux dés. Là. J'espère que vous avez compris où je voulais en venir. Bon, on a là la consultante et le consultant. Pour vous qui avez choisi le dé. Maintenant, pour vous qui avez choisi là, vous voyez? Et ainsi de suite. Bien. Vous qui avez choisi le dé, la consultante ou le consultant, où est-ce que vous en êtes? Y a-t-il un retour possible? Bien. Y a-t-il un retour possible? Ici, vous, la consultante, y a-t-il un retour possible? On vous dit, vous êtes encore un peu dans le doute. Hein. Vous changez d'avis tout le temps. Vous avez bien envie de l'appeler, de lui parler. Ici, vous voyez,
Vous avez envie de lui proposer même un rendez-vous, de vous voir, d'aller prendre un verre ensemble ou même de l'inviter à une fête pour, avec l'été qui arrive, peut-être l'inviter à une fête, à un festival, à un resto ou même à une fête de famille, c'est possible. Mais vous y pensez, vous avez envie de le faire, en même temps, vous hésitez. Vous voyez, vous ne savez pas, vous êtes un peu mal à l'aise avec la situation. Vous ne savez pas si, est-ce que ça va être bon, est-ce que ça va être possible. Je ne sais pas, j'aimerais bien que ça se passe ainsi, mais est-ce que je ne vais pas me faire embarrer ici? Est-ce que je ne vais pas me faire rejeter? Donc, avec la lune, deux fois, on a quelqu'un qui est complètement un peu déstabilisé ici et qui se perd un peu dans ça. Dans ses émotions, qui a bien envie de faire quelque chose, mais au milieu, on sait que cette personne pense à vous. Au milieu, on voit bien qu'elle est là, elle pense à toi et qu'elle a envie de faire des choses ici, qu'elle a envie de le faire, qu'elle pense fortement à le faire, mais elle est un peu perdue dans tout ça. Elle ne sait pas. Est-ce que tu vas accepter son invitation ou est-ce que tu vas la rembarrer ou alors est-ce que tu vas la repousser? Au fait, autant de choses. Et maintenant, pour toi ici, le consultant. Il y a quelqu'un qui actuellement est juste occupé à ses finances, hein, à mettre en place ses finances ici matérielles. Donc, même si actuellement tu penses que tu as envie de l'appeler, toi, la consultante, ou de lui proposer un rendez-vous, ou alors tu penses que les choses peuvent se faire, actuellement, lui ou elle est actuellement en train de penser juste à ses finances, en train de mettre de l'ordre dans ses finances ici, pouvoir se faire une place dans la société, pouvoir se faire une place dans son travail ici. Donc, on a quelqu'un qui actuellement, ce qui l'intéresse ici, c'est vraiment trouver un certain équilibre au niveau de ses finances. Trouver un équilibre déjà personnel, trouver de quoi mettre l'argent de côté. Donc, actuellement, tout ce qui l'intéresse ici pour cette personne, c'est l'argent. Vraiment, trouver une stabilité financière, avoir une place. C'est possible même que cette personne soit ici en train de mettre en place un nouveau projet, un nouveau business, ou tout simplement est très occupée par son travail et a d'abord envie de se faire une place dans la société, a d'abord envie de se faire une place avant de venir vers toi pour un quelconque engagement. Mais ici, on a quelqu'un qui n'y pense pas du tout. Donc actuellement, elle n'y pense pas. Donc sa tête n'est pas actuellement dans cette notion de retour ou d'appeler ou même de te faire signe ou quoi que ce soit, dont la personne n'y est, tu n'y, elle, elle n'y est pas du tout. Je ne sais pas si vous avez compris le contexte où je voulais en venir. Je ne sais pas si vous avez bien saisi. Donc, vous avez l'homme ici, soit c'est toi la consultante ici, hein, et que toi, tu y penses fortement. Et lui, le consultant, tu vois, s'il y a un retour possible, lui, il n'y pense pas. Et vice-versa. Tu comprends? Et vice-versa. Toi, le consultant ici, tu es en train de penser actuellement à faire juste à mettre en place les finances, à pouvoir te faire une place dans la société ou même dans ce que tu mets en place, la structure, hein, financière ou de ton projet ou un projet que tu es en train de mettre en place. Donc, tout ce qui t'intéresse, c'est d'abord à trouver une place, avoir une certaine renommée, une certaine reconnaissance dans ce que tu fais avant de. Ensuite, tu verras si tu vas faire appel à cette personne ou pas. C'est possible que ce soit une relation qui a commencé depuis un moment ou que vous avez même déjà consommé, mais que vous avez mis une pause, soit l'un, soit l'autre, soit les deux, ou alors du jour au lendemain, il n'y avait plus personne à l'autre bout du fil. Donc, j'espère que vous comprenez où je vais en venir ici, en espérant que vous allez vous retrouver. Donc, ça, c'est pour vous qui avez choisi le dé. On va dire 9 minutes. Bon, maintenant, pour vous, ça, c'est pour vous qui avez choisi le dé. Y a-t-il un retour possible? Pour vous qui avez choisi le dé. Maintenant, pour vous qui avez choisi la balance. Balance, y a-t-il un retour possible? L'homme, la femme. Si vous n'avez pas regardé le début, allez regarder le speech. Ça pourrait vous parler parce que je ne vais pas recommencer à expliquer. Ça serait très long. Bon, maintenant, là, pour vous, cette femme à qui tu penses actuellement quand tu regardes la vidéo, est-ce qu'elle va te faire signe? Ou cet homme à qui tu penses actuellement, est-ce qu'il pense à te faire un signe ou pas? Donc chacun se met dans le contexte où toi tu penses à cette femme, tu es une femme qui pense à une femme et que tu aimerais bien qu'elle t'écrive, ou toi un homme, tu penses à un homme et tu aimerais bien qu'elle t'écrive. Bon, c'est pour que chacun puisse se retrouver.
Je sais, ça fait un peu bouillon, mais en même temps, c'est pour qu'il y ait plus, pour qu'il y ait plus de connexion et pour que chacun puisse avoir au moins, comme je dis toujours, un début de réponse à vos questionnements. Et n'oubliez pas que c'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Voilà. N'oubliez pas que vous êtes maître de votre propre destin. Bien. Ici, on a encore la lune, hein? On a la lune deux fois. Donc déjà, on va commencer par la consultante. Toi qui penses à la consultante, hein? Ou toi qui penses à une femme quelconque ici, qui penses à une femme quelconque et tu demandes est-ce qu'elle va t'appeler et y a-t-il un retour possible? On te dit actuellement, cette personne, elle a ses propres problèmes au domaine. Je pense qu'elle a un problème domaine dans son travail. C'est possible qu'elle ait un problème au niveau du travail ou qu'elle est actuellement isolée et qu'elle cherche un travail ou alors qu'elle a du mal à trouver sa place au sein de son travail. C'est possible qu'elle soit actuellement soit en compétition avec quelqu'un ou alors elle ne trouve tout simplement pas sa place dans la société. Elle a déjà ses propres difficultés à elle et ce n'est pas possible. Les choses ne s'arrangent pas. Donc c'est possible qu'elle soit dans une relation qui soit même une relation qui ne la convienne pas ou qu'elle n'arrive pas à te dire des choses ou alors elle est en train de vivre, elle passe par des périodes difficiles ici et elle ne voit pas le bout. Elle a un peu du mal ici à savoir, à trouver, à savoir comment sortir de la situation qu'elle vit actuellement. Tu vois, elle a envie d'autres choses, elle a envie de quelque chose de bon pour elle, des choses qui sont bénéfiques pour elle, hein, qui pourront lui apporter des choses belles, mais en même temps, c'est comme si elle fait toujours c'est un peu comme si elle fait toujours des mauvais choix, en vouloir trop, oui, au fait, et comme si elle est toujours un peu perdue, un peu comme quelqu'un qui suit deux lièvres à la fois et qui, au final, se retrouve un peu perdant dans tout ça. Donc, parce qu'ici, avec le trafic, la négociation, elle est en train d'essayer de certainement de mettre en place quelque chose, soit avec toi, soit avec quelqu'un, ou alors elle est perdue entre vous deux, elle ne sait plus trop où donner la tête. C'est possible ici qu'il y ait quelqu'un d'autre à part toi. C'est possible que vous soyez deux, voire même trois, voire plusieurs, mais qu'elle est perdue dans la décision à prendre ici. Elle se replie un peu sur elle-même, elle a beau tergiverser ici, essayer de peser le pour et le contre, mais en même temps, c'est qu'elle a envie, elle a envie de quelque chose qui. Quelqu'un avec qui aller vers des choses nouvelles, quelqu'un qui puisse la comprendre aussi, ou quelqu'un qui puisse un peu la sortir des situations dans lesquelles elle s'est mise. C'est un peu quelqu'un ici qui est passé un peu par toutes les étapes de la vie et qui est un peu perdu. Donc, on a affaire ici certainement à quelqu'un qui a été à un moment donné de sa vie très matérialiste, hein, qui a toujours été avec des personnes matérielles, qui a toujours été très matérialiste, qui a toujours regardé. Est-ce que tu as l'argent? Est-ce que tu as les moyens? Mais aujourd'hui, il se rend compte qu'au fait, ce n'est pas ça, ce n'est pas une vie qu'on a beau être avec quelqu'un qui prenne soin de nous, comme dans son cas, elle a beau être avec quelqu'un qui prend soin d'elle, qui fait d'elle ce qu'elle veut, une reine, parce que tu vois, elle a les bijoux en perles, les perles, les vraies perles, ce n'est pas non plus des bijoux qui ne valent rien, c'est des bijoux qui valent cher. Elle est pleine de bijoux ici, et on voit bien que c'est une très belle femme. Sauf qu'elle est triste. Elle a de l'argent là. Vous voyez? Il y a de l'argent. Mais elle est triste. Au fait, elle ne se sent plus à sa place. Donc elle a envie de sortir d'une situation. C'est possible même qu'elle soit en couple, comme je l'ai dit. C'est possible qu'elle soit en couple et qu'elle a envie de divorcer. Et qu'actuellement, elle est en train de négocier pour sortir dans une relation de couple. Ou alors elle essaie de sortir, mais elle ne trouve pas encore le point de sortie. Ou alors elle a même temps, elle pense qu'elle a un confort de vie et qu'elle n'a pas envie de laisser tomber ça. Et qu'elle est tout simplement, elle y pense. Actuellement, elle n'est pas en train de penser à venir vers toi ou à t'appeler, mais elle est déjà en train de penser à trouver une solution à comment sortir d'abord de la situation dans laquelle elle se trouve actuellement. D'accord? Et n'oubliez pas, comme je l'ai dit au premier, si vous n'avez pas regardé le premier, ici ça parle de vous, la consultante, vous le consultant, vous regardez la personne, si c'est cette femme à qui vous êtes en train de penser et que vous demandez est-ce qu'il y aura un retour possible, c'est ça, c'est ce qu'elle a, c'est son état d'esprit actuel. Et c'est possible que ce soit vous, la femme, vous, la consultante actuellement qui est en train de me regarder et que votre état d'esprit aussi est ça et que vous aurez la réponse de l'autre en face de votre autre ici dans cette, dans l'autre, dans cette, dans l'interprétation de ces cartes-ci. Ne l'oubliez pas, les énergies sont interchangeables. Bien. Donc ici, avec maintenant vous, l'homme, ici on a vous. De consultant, hein. Si vous êtes actuellement ou vous la consultant, vous êtes actuellement en train de penser
Non, mais est-ce qu'il y aura un retour possible? On vous dit ici, il y a quelqu'un actuellement qui l'empêche de venir vers vous. Si c'est vous le consultant et que vous pensez à un homme, on veut vous dire que vous n'êtes pas seul dans cette relation. Il y a quelqu'un ici qui a envie de trouver le juste équilibre, mais qui est un peu déstabilisé. Ses émotions vont un peu dans tous les sens. Et il est en train de chercher la solution, comment faire un signe de la vie pour lui dire, pour lui faire bien comprendre que, au fait, c'est la personne, tu sais, avec elle que tu dois être un peu, tu vois. Et la personne est en train de vous observer ici, en train de regarder un peu ce que tu fais de ta vie sans elle. Qu'est-ce que tu fais de tes journées, ou alors qu'est-ce que tu fais sur les réseaux? Il y a quelqu'un qui regarde ici, et même en même temps, je pense qu'il y a quelqu'un qui a découvert quelque chose ici qui ne lui plaît pas. Et en même temps aussi qui fait comprendre qu'elle est capable de te perdre ici. On a quelqu'un qui veut, qui se sert de son intuition, parce que nous avons la lune et l'intuition deux fois, hein, qui se sert de son intuition et qui est en train de regarder, et qui est en train de regarder déjà pas avec, vous voyez, le chat noir ici. Vous voyez, qui se sert de son intuition et qui a envie de connaître des choses avant de venir vers vous, avec la découverte que l'on a ici, la connaissance, qui regarde d'abord, qui vous observe de loin et qui a envie de savoir ce qui se passe avec cette autre personne qui est dans votre vie. C'est possible que ce soit un autre homme qui est dans votre vie, si c'est vous le consultant et que vous pensez à un consultant, et si c'est vous la consultante que vous pensez au consultant. C'est possible qu'il y ait quelqu'un d'autre, ça peut être son frère, son patron, son père, son ami, ou quelqu'un d'autre qui est en train de lui faire comprendre certaines choses, ou tout simplement qui est en train de mettre un frein à cette relation ou à ce retour-là, en lui mettant certainement des doutes dans la tête, ou en lui faisant comprendre que, au fait, sa place n'est pas avec vous, ou qu'elle mérite mieux, autant de choses. Et c'est possible aussi qu'elle, le consultant, s'est rendu compte qu'au fait, il n'est pas seul, ou qu'il y a quelqu'un d'autre, et qu'il doit être en comp il y a une compétition. Et lui, il essaie de regarder de loin pour voir si ce n'est qu'un jeu, ou c'est vraiment une histoire vraie que tu es en train de vivre avec cette personne. Mais pour le moment, c'est plutôt émotionnellement que les choses ne vont pas. Elle n'a pas l'intention de venir vers toi maintenant, mais elle est en train de t'observer. On a quelqu'un ici clairement qui te regarde, qui te surveille, qui te regarde de loin, qui regarde ce que tu fais. On a quelqu'un, c'est possible même que cette personne soit déjà allée chez, si c'est quelqu'un qui se connaît, qui se connaît en cartomancie, ou alors que ça l'intéresse, les cartes, les tirages et tout ça. Il y a une fois possibilité que cette personne soit déjà allée un voyant, une voyante, un cartomancien, un médium, quoi que ce soit, pour justement savoir où en est cette relation avec toi, hein. Pour savoir où en est cette relation avec toi, qui veut chercher à savoir et en savoir un peu plus. Ça peut aussi être quelque chose, ce qui freine à cette relation, peut être aussi une histoire de religion ou de spiritualité, et que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, ça cause un peu de désagréments ou de difficultés. Mais actuellement, émotionnellement parlant, cette personne a d'autres choses à faire. Mais en même temps, elle vous observe, hein. En même temps, elle vous observe. Donc, nous avons ici pour vous qui avez choisi le. Bon, nous avons le 18. 18 minutes. Bien. Ça, c'est pour vous qui avez choisi le 2. C'est vous qui avez choisi ça, la balance. Maintenant, pour vous qui avez choisi le cœur. Le cœur. La consultante. Je recommence le speech. Si c'est toi le consultant qui pense à une femme, c'est qu'elle pense, si c'est toi qui regarde la vidéo, le consultant, et une femme, et puis tu te demandes, est-ce qu'elle pense à toi, et a-t-il un retour possible avec cette femme ou pas? Et si c'est toi la consultante, et que tu penses à cet homme, et tu te demandes, y a-t-il un retour possible ou pas avec cet homme, ainsi de suite, vous voyez où vous pouvez mettre. Et n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut être ici, cette interprétation peut être ce que toi tu penses de la relation, et vice-versa. Ah mais oui, là, ici avec vous, oui, hein, oui, on a le soleil deux fois, hein. On a le soleil deux fois, mais on a le soleil deux fois ici, et on a l'amour, on a la chance ici, sauf qu'on a un petit désagrément qui freine un peu. Bien, toi le consultant qui pense à cette femme, le consultant ou la consultante qui pense à cette femme, s'il y a un retour possible entre vous. Oui, il y a un retour possible. Et cette personne avec le soleil, avec l'étoile, cette personne se dit, c'est vous et personne d'autre. Il n'y a que vous qui compte pour cette personne. Il n'y a que vous qui êtes
Elle vous voit comme la femme ou l'homme de sa vie, comme quelqu'un complètement qui a été envoyé par l'univers pour elle. Et elle, elle le sait. Mais actuellement, il y a des petits soucis. Des petits soucis au niveau d'elle-même, hein, pas de vous. Moi, je pense qu'ici, actuellement, on a quelqu'un qui doit avoir des petits problèmes qui est peut-être en dualité avec elle-même, qui a ses problèmes déjà personnels à régler, ses démons à elle. Ou alors, on a même affaire et sa possibilité à quelqu'un qui trouve que c'est trop beau pour être vrai et qui complètement fuit l'engagement et fuit la relation et cherche toujours des excuses et a même quelquefois des mots blessants à votre encontre ou vient et quand ça devient intéressant, quand ça devient tout beau et elle s'enfuit, elle s'enferme dans un truc comme une sorte de carapace, silence radio et vous ne l'entendez plus ici, hein. On a affaire ici à quelqu'un comme ça et pourtant elle sait que c'est vous, elle a envie de revenir vers vous. Et qu'elle revient vers vous, c'est possible que quand elle va revenir vers vous, elle va se justifier ou elle va tout faire un peu pour vous mettre mal à l'aise, pour tester jusqu'où vous tenez à elle, pour tester si elle ne s'est pas trompée, si vous êtes venant, si vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre ici, vous voyez. Et ici maintenant avec vous, le consultant ici. Vous, la consultante qui pensez au consultant, vous, le consultant qui pensez à cet homme ici, hein, on vous dit lui aussi, il ressent les mêmes choses pour vous, lui aussi a les sentiments forts pour vous, lui aussi il se dit, vous êtes la personne faite pour lui, qu'avec vous, l'amour va être beau, parfait, qu'il y a une certaine structure à faire avec vous, une certaine stabilité, un aboutissement, un succès dans cette relation amoureuse. Mais quand, avec, il y a toujours un mais, il y a quelque chose qui bloque aussi, il y a quelqu'un ou quelqu'un de l'intérieur ou de l'extérieur, ça peut venir de toi, qui est continuellement en train de freiner cette relation, ou qui est continuellement un peu en train de chercher les excuses, comme ici, hein, en train toujours de se justifier, ou en train de se dire, et si ça marche pas, ou en train toujours de remettre à demain, de s'engager, c'est que c'est bon, les moments qu'on passe ensemble, c'est des bons moments, mais toujours un peu fuyant. Ou alors à certaines difficultés à s'engager, ou alors à certaines difficultés et n'ose pas le dire à l'autre personne. Ou c'est possible aussi que vous mettez les choses en place en projet et que vous aimeriez tout faire juste pour mettre cette personne pour mettre cette personne à l'aise financièrement, matériellement, et que actuellement vous avez des difficultés financières et que vous avez du mal à accéder à certaines choses parce que vous aimeriez que cette personne vous voit un peu au sommet et que ça vous stresse un peu, ça vous frustre et ça fait que ça bloque certaines choses et que vous n'y arrivez pas. Mais sinon, il y a un retour possible, il y a des vrais sentiments ici entre vous deux. J'espère que vous appuyez ce guidon. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.